Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans ma skincare routine. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau des soins? On est mercredi et ce soir, du coup, je fais tout ce qui est soins, donc gommage, masque, masque aussi pour les cheveux parce que c'est aussi lavage de cheveux ce soir. D'abord, première étape, je vais déjà commencer par les cheveux. Donc, je vais humidifier mes cheveux, donc juste mes longueurs, et je vais appliquer ce masque-là de chez Action. Je vais le laisser en fait poser le temps que je me démaquille, que je me lave le visage, que je me fasse un gommage, un masque, etc. Et voilà, en attendant, du coup, mes cheveux vont être un peu plus hydratés parce que les sont pas très beaux. J'avais des petits chignons sur la tête toute la journée et voilà l'état de mes cheveux. Donc voilà, ils sont pas très propres en plus. Donc du coup, ce soir, un bon masque, ça va leur faire du bien. Du coup, une fois que j'ai humidifié mes cheveux, je vais venir déjà les brosser dans un premier temps. Voilà. J'ai des sacrés nœuds en plus aujourd'hui. Donc je les brosse bien. Et du coup, j'applique mon masque. Donc ce que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en deux parties. Voilà. Et je prends un petit peu de masque. Et j'applique ça comme ça, mes cheveux ont le temps de boire un petit peu le masque, etc. Le temps que je fasse mes autres soins. J'aime beaucoup ce masque. Franchement, déjà l'odeur, ça sent hyper bon. Et j'aime bien parce qu'il rend quand même les cheveux doux. Après, c'est pas le masque qui va le plus hydrater, hein. On est bien d'accord. Mais voilà. On va dire que mes cheveux sont un peu mieux quand je le mets que si j'en mets pas. Parce que c'est mieux de préférence de quand même mettre un masque. Quand vous lavez les cheveux, même si c'est que 2 minutes, même si c'est juste un après-shampoing, ça va très bien aussi. Après, voilà. Après celui-là, je vais pas forcément le racheter une fois que celui-là sera fini, parce que c'est pas le meilleur masque du monde. Pour moi, les meilleurs masques en supermarché, c'est la marque Garnier. La collection ultra doux, enfin la gamme ultra doux. Cette gamme elle est vraiment pas mal. Hop, donc une fois que ça c'est fait, on est bon. Je vais juste venir. Voilà, je vais ranger le masque. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir m'attacher les cheveux. Donc juste en petit chignon. Tac. Voilà, ça j'ai les cheveux bien plaqués, on adore. Et du coup, je vais venir mettre mon petit bandeau qui vient aussi de chez Action. Voilà, comme ça, même si mes cheveux, je vais les laver, j'aime bien avoir un bandeau parce qu'au moins ça me dégage bien le visage. Et du coup là, on va continuer avec le démaquillant. Moi j'utilise l'eau micellaire démaquillante de la marque Inel. C'est la marque repère du Leclerc. Et j'applique ça sur un coton réutilisable. Ces cotons-là, je les avais achetés au Lidl. Ils avaient fait un pack comme ça de 6. Et franchement, ils sont pas mal. Ils démaquillent bien et tout. Donc voilà. Très pratique. Et en plus, ce démaquillant, il est top. Il coûte pas cher. Et je trouve que... Pardon, téléphone sonne. Et je trouve que c'est un dupe du Garnier, pareil avec le bouchon rose. Je trouve que c'est vraiment un dupe. Et il est vraiment pas mal, donc voilà, n'hésitez pas si jamais. Hop. Donc là, je viens bien tout démaquiller. Donc les sourcils, les yeux, etc. Et une fois que ça c'est fait, hop, je vais venir me laver le visage. Alors j'utilise
un savon de chez Kadom, donc un savon comme ça, tout simple, de la marque Kadom, qui est très très bien, et j'ai moins de problèmes de peau qu'avant. Depuis que j'utilise ce produit, franchement, ma peau elle est toute douce, bien nettoyée, donc je vais me laver le visage et j'arrive tout de suite. Alors pas du tout, je vais pas du tout me laver le visage. D'abord, je me fais un gommage, c'est le Face Scrub Watermelon de la marque The Beauty Depth. C'est une marque qu'on trouve chez Action et ce gommage, il est vraiment cool. Il coûte 99 centimes, il gomme hyper bien la peau, il va pas venir la sécher. J'ai la peau toute douce après, enfin, franchement, il est vraiment cool. Donc, je m'humidifie le visage. Hop. Et du coup, j'applique du gommage. Ils ont en plus plusieurs senteurs. Ils ont kiwi, noix de coco, je crois. Enfin, ils ont vraiment plein de senteurs différentes. Et en fait, je me fais le gommage avant de me laver le visage. Comme ça, je peux bien tout désincruster. L'excès de sébum, les points noirs, voilà, les cellules mortes, etc. Donc, je fais des mouvements circulaires sur tout le visage. J'insiste bien au niveau du nez. Et je passe toujours aussi un petit coup dans les sourcils. Et au niveau du menton aussi, je viens bien. Il est vraiment cool ce gommage. Franchement, il est top. Parce que les grains, ils sont pas trop gros. Donc c'est hyper agréable à utiliser. J'aime trop. Voilà. Et une fois que mon gommage est fait, je prends un coton comme ça, réutilisable, et je viens en fait, enfin c'est plutôt une éponge, et je viens rincer mon visage, donc enlever le gommage. Hop. J'enlève aussi dans les sourcils. Tac. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est maintenant que je vais nettoyer mon visage du coup avec le savon Kadom. Donc je me nettoie le visage et je reviens. Voilà, une fois que je me suis lavé le visage du coup avec mon savon, hop, je vais venir appliquer un masque sur le visage. Donc ça va être un masque hydratant, la même marque que le gommage, mais c'est aux agrumes. Et c'est un masque que j'aime beaucoup. Dès que j'ai la peau sèche, je le mets. Et en fait, il vient faire une peau de bébé. C'est hyper agréable. Donc j'applique ça avec un pinceau comme ça en silicone pour justement les masques. Et c'est quelque chose de hyper agréable. Et j'adore appliquer mes masques avec ça. Donc ce genre de choses, vous pouvez... Moi, je l'ai reçu en cadeau, mais je pense que sur Amazon ou AliExpress ou même Shein, je pense que vous pouvez facilement en retrouver. Hop, donc un petit masque. Qu'est-ce qui sent bon en plus ce masque? C'est hyper agréable. Hop, donc j'applique tout ça. Voilà. Et une fois que mon masque est posé, du coup, en attendant, je vais aller à la douche, je vais me laver les cheveux, le corps, etc. Et du coup, je reviens après, mais d'abord, je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise sous la douche. Donc, sous la douche, j'utilise, alors en shampoing, j'utilise un shampoing solide. Et franchement, c'est pas mal, c'est le premier que je teste et franchement, c'est vraiment cool. J'ai de la marque Dop, le shampoing solide à l'amande douce pour cheveux normaux. Franchement, il est vraiment pas mal, il rend les cheveux doux et tout. Et ça mousse bien. Contrairement à ce que je pensais, je me suis dit, hop, ça va être un shampoing solide, ça va pas être top. Et en fait, il mousse hyper bien, donc c'est grave bien. Et pour le corps, j'utilise une mousse de douche de chez Action. Donc c'est vraiment un dupe des mousses, vous voyez, des mousses de chez Rituals. Comme ça sent bon en plus. C'est hyper agréable et j'adore utiliser ces produits sous la douche. Ils sont vraiment cool et en plus, il existe plusieurs senteurs, donc je vous les conseille vraiment. Et puis du coup, voilà, moi je vais aller prendre ma douche et je vous retrouve après pour les soins.
Donc, une fois que ma douche est prise, voilà, donc j'ai lavé mes cheveux, j'ai mis une serviette en microfibre pour que l'eau soit absorbée. Et là, je vais mettre mes soins. Donc, j'ai rincé le masque dans la douche aussi directement. Et maintenant, du coup, je vais m'hydrater le visage. Donc, déjà, les produits, c'est la même routine que le matin. J'applique le sérum de chez Sephora. Donc, je mets quelques gouttes dans la main et j'applique ça sur tout le visage, sauf le contour des yeux. Et je descends toujours un petit peu dans le cou. Donc, c'est le super sérum éclat donc de chez Sephora que j'adore, qui est vraiment top. Franchement, cette gamme, elle est vraiment très très bien pour la peau. Ensuite, au niveau crème, j'utilise le Aqua Gel Crème de chez Sienne, donc la marque du Lidl. Pareil, très très bonne crème, très très bonne texture, elle est légère pour la peau, mais en même temps elle hydrate. J'ai la peau toute douce après, enfin elle est vraiment cool cette crème. Et pareil avec le reste, je descends toujours un petit peu dans le cou, hop. Voilà, donc c'est normal si j'ai un peu la peau rouge, parce que vu que je trifouille mon visage à un moment donné, voilà. Et j'utilise le contour des yeux crème yeux éclat de chez Sephora comme d'hab, qui est vraiment cool aussi. Hop, j'en ai pas beaucoup, mais ça suffit largement. Hop. Et qu'est-ce que ça fait du bien une fois qu'on a fait nos soins, etc. Mais comme on se sent bien après, c'est tellement agréable. J'adore. Ensuite, ce que je vais faire ah oui, et j'ai oublié quelque chose, le baume à lèvres. Celui-ci vient de chez Action. Il est à la fraise. Je pense que normalement c'est pour les enfants, mais j'aime bien. Il hydrate bien en plus, donc que demande le peuple. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la serviette sur mes cheveux et je vais un peu les essorer de nouveau avec cette serviette-là. Donc ce que je fais, c'est que je le fais et je reviens. Donc du coup, j'ai enlevé la serviette et j'ai un peu absorbé l'eau avec une autre serviette. Et du coup là, avec mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un démêlant de la marque Lovela, c'est Monoï et Karité. Il est trop bien ce démêlant, franchement il est trop trop cool et il sent trop bon, ça me rappelle les vacances en plus. Et je viens juste mettre quelques sprays juste au niveau de la longueur. Et j'attrape ma brosse Stitch qui vient de chez Primark, qui est beaucoup trop belle. Et je vais venir les brosser. Hop. Donc je me brosse les cheveux tout simplement. Bon, avec le démêlant, c'est quand même plus facile. Hop, voilà. Ensuite. Voilà. Mes cheveux sont démêlés, incroyable. Du coup, une fois que ça c'est fait, je vais me mettre en pyjama. Et avant de mettre le pyjama, je vais appliquer cette crème-là de chez Mixa. C'est la Intensive Peau Sèche, les corps nourrissants, effet soleil peau mate. Je l'avais l'année dernière, cette crème, et elle est trop bien. On n'est pas tout de suite bronzé, hein, faut pas rêver non plus. Mais ça nous donne quand même un petit teint hâlé. On va dire qu'on est un peu moins blanche. Et ça, je l'avais mis quand j'étais bronzée. Et en fait, il y a des petites nacres dedans et c'est magnifique sur la peau, mais bon. Voilà, du coup, pour avoir un petit effet un peu teint, allez, je vais d'abord utiliser ça. Et puis voilà, je serai un peu moins blanche avant de se mettre au soleil. Du coup, voilà pour ma petite skincare routine, ce que je fais quand j'ai vraiment envie de me faire un soin complet de la peau et des cheveux, et du corps, du coup, pour le coup. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !